Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? Quel bonheur de vous avoir ici avec moi pour bouger le temps d'un instant. Alors merci de m'accorder ce temps pour vous inspirer à bouger toujours plus. Donc, vous marchez ou vous joguez. Je commence souvent comme ça parce que l'important, c'est d'être dans l'action rapidement quand on a peu de temps. On fait compter chaque seconde. C'est vous qui décidez. Est-ce que vous sautez? Est-ce que vous ne sautez pas? Vous êtes à l'écoute de votre corps, mais moi, je vais vous encourager à aller toujours un petit peu plus loin dans la mesure du possible. OK? Donc, on jogue, on dynamise, on passe là. Dans 4, je vous montre un double genou. Regarde. Double. Et double. Double genou. Double genou. J'ai les mains sur les hanches. Je peux avoir les mains ici derrière la tête. Je veux allonger mon tronc. Double. Un. Et deux. Ça va changer. Ça ne va pas rester comme ça. Je vais faire une petite combinaison sympathique. Mais juste avant, je vais le tourner un petit peu. OK? Double. Double. J'étais là. Est-ce que ça va? Je pars personne. Rappelez-vous que les contrôles sont disponibles en ligne. Alors, si jamais c'est nouveau pour vous ou vous voulez une réécoute, hein, c'est super facile, c'est gratuit. C'est en ligne un peu partout, dont la chaîne YouTube de la station. Regardez, 12, 5. Oh boy, j'aurais pu vous le dire d'avance. Ça donne 12 et 5. Je vous invite à penser à allonger, OK? La colonne, le tronc. On est souvent juste un petit peu vers l'avant. Good. Pendant que je pensais à ça, je me suis sous moi-même un peu en avant. Effectivement, quand je ne fais pas attention, je suis légèrement inclinée. Voici la suite. Good. Les sauts sont optionnels. Les bras aussi. Double. C'est le fun à dire. Good. Léger. Regarde. Double, rapproche. Si on veut, c'est vraiment c'est votre décision, votre workout. Ouh! Et juste pour aller jouer un petit peu plus intense, ici, restez le 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jogging, jambe gauche. On relaxe les épaules. Relaxe les trapèzes, je devrais dire. On respire. On descend en partant jambe gauche. Quelquefois, on continue à faire grimper les fréquences cardiaques. Et ça va être la fin du premier bloc, mais pas tout de suite. Attendez-le. Dans 4, 4, 3, double genou, genou, 5. 5. Double. Puis en apparence, il a l'air de rien, hein, parce que comme bon, à quel point ça peut être prenant. Vous le sentez dans ma voix, vous l'entendez. Allez, vos meilleurs coups. 3 autres. Wouh! On y arrive. 2. 1. On reste. On sourit. 3. Focus. Push it. Hop. Hop. On se retrouve au prochain segment. On enchaîne. Squat. Je revisite le squat avec vous. Si vous le connaissez, je vous invite à penser à votre conscience corporelle. D'accord? Le temps de valider, de vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes qui sont établies. Donc, le poids est davantage sur les talons, les fesses vont vers l'arrière. Le travail se fait sentir dans les jambes. On évite l'inconfort articulaire. Comment? Avec un bel alignement, dans la mesure du possible, oui. Peut-être qu'il y en aura quand même, hein, de l'inconfort musculaire au niveau articulaire. Down. Je souris parce que des fois, je m'enferme dans les mots. C'est comme ça. Down. Regardez. Haut et ferme. Haut et ferme. On descend, on monte. Je pourrais garder mes fesses vers le bas, donc je pourrais rester là. Je vous le propose si c'est lui que vous avez envie de faire. J'en ai un autre pour vous. 4. Je vous promets toujours du contenu diversifié parce que tout est dans les goûts.
soit les différents. Regardez, down, up. Donc, je descends, j'amène mes mains vers, ou mes doigts vers le sol, mais mes fesses vers l'arrière. Il ne faut pas que le poids s'en aille sur les orteils, c'est ça que je veux dire. On y va, 4. J'ajoute un petit saut sympa. Êtes-vous prêts? Si vous le souhaitez, vous me suivez là-dedans. Ici. Pas de saut. On va. Saute pour 4. C'est 1, 2, 3, 4. Lent. Lent. Rapide. 1, 2, 3, 4. Lent. Comment ça va? Sentez-vous ça? Dernière fois. 4, 3, 2, lent, et on reste en bas, vous alternez. Finale. Que ça chauffe, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus bas? On gère ça dessus, on s'en va au prochain bloc. À tout de suite. On va aller s'installer, position planche quadrupède. En fait, je vais vous présenter quelques variations. D'abord du quadrupède. Quadrupède, donc les mains ou les poings. Je le mentionne parce que vous pouvez l'alterner aussi, vous êtes obligé de rester dans une position. On soulève les genoux, ça va? Vous pouvez les redescendre. Alors, il y a l'air de rien, il est prenant. Prenez le temps de penser là, à comment vous êtes placé au niveau du tronc. Hop! On reste. Est-ce que là, ça va? Est-ce que je peux allonger la jambe, la ramener, allonger la jambe, la ramener? Oui? Si jamais vous êtes en train de vous dire, bien, celui-là, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que c'est lui que j'aimerais faire. À l'instant, je vous propose à ce moment-là d'aller descendre les genoux. Ça devient un mouvement inspiré Pilates. C'est très, très bien. Donc, un beau travail au niveau posture, alignement, respiration, mais surtout conscience corporelle. Est-ce que ça va? Je soulève. 1, 2, 3 et reviens. 1. Oh boy. 2 autres. 1 autre. Puis je vais venir vous placer en planche. C'est 8, 7, 6. Un moment de répit suivra dans 4. 3, 2. Donc celui-ci, je l'aime bien, les genoux un peu ouverts. Donnez-vous ce répit, un étirement. C'est du temps bien investi. Inspirez, expirez. Et je me replace. Position planche. Finale. Je vais tirer le genou. Tire le genou. Un peu plus vite. 8, 7, 6, 5. Et petite combinaison pour bien faire ça. Tire le genou, viens vers l'arrière. Tire le genou, viens vers l'arrière. Deux autres. Tire le genou, vers l'arrière. Là, 5, tire. Ça glisse un petit peu ici sur mon tapis. Restez là, 8, 7. C'est la finale, tenez bon. On s'en va s'étirer. À tout de suite. Ça s'est passé pour vous. Je vous propose tout de suite un étirement. Pendant qu'on jase, on va se parler. Je veux vous féliciter pour un travail bien fait. Bravo d'avoir continué. Si par exemple vous l'avez regardé aujourd'hui, peut-être que la prochaine étape, ça serait de vous lever, de bouger un petit peu avec nous. Inspire, expire. Good. Étirement du mollet. Je l'aime bien celui-ci. Ça me permet de, notamment de vous adresser directement. Est-ce que je suis bien placée pour le faire sans que ça fasse mal au pied ou que je ne puisse pas bien démontrer l'exercice? Alors, les bras ouverts, on descend les épaules. Restez là. La citation de la semaine, faites-le aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui. Que ce soit l'entraînement, que ce soit quelque chose d'important que vous avez à terminer, quelque chose que vous mettez de côté, que vous. Tu sais, des fois, on repousse les choses parce que c'est stressant. Il faut le faire. Il faut le faire. Préférablement aujourd'hui, ça va être fait en inverse. Pas facile, par contre. Ou un peu de discipline. Il faut être capable aussi de ne pas trop s'écouter dans le moment quand on veut écouter Netflix. Inspire, expire. Ou TV Laval. Descendez les épaules.
Est-ce que ça va au niveau des trapèzes? Êtes-vous capable d'allonger? Respirez. Ça va. Donc, on s'est parlé de la citation de la semaine. On s'est déjà dit à quel point c'est exceptionnel ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui reste? Je vais aller tirer le tessier. Je vous invite à aller voir les autres contenus qu'on a en ligne. Il y en a beaucoup. Il y a des formats variés que vous pouvez découvrir. Cardio, abdos, il y a ballet fit, il y a jambes, il y a cardio danse. Alors, allez voir ça. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez envie d'avoir de plus comme contenu. On inverse. Parce que toujours à l'écoute de ça. Inspire, expire. Et comment la piste. Good. Est-ce qu'on peut aller juste un peu plus bas? Les hanches restent alignées. Ça fait du bien. J'espère que vous êtes conscient de votre respiration présentement. On est souvent en train de respirer trop rapidement, sans se laisser le temps là, d'expirer avec l'air qu'on a déjà dans les poumons. Okay. On revient ici, vers le haut, vers le côté. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Parlez de nous un peu partout. Partagez nos contenus. Bougez avec moi. À bientôt.